J'ai sacrifié une partie de mon armée pour pouvoir évacuer l'autre partie. Parce qu'en fait, vous êtes sur Rome. Si vous allez un peu plus haut, vous êtes directement sur Rome. Et vous allez vous faire tailler en pièces par toutes leurs troupes, en fait. Après c'est Rome. Alors, ça va vous surprendre, mais Alaric a énormément de PV, donc s'il prend l'aggro, j'ai possibilité de faire passer tout le monde. Bon, 650 PV. Je crois qu'en fait, en détruisant le monastère, le moine va nous suivre, si je ne me trompe pas. Voilà l'importance d'avoir des unités héroïques et de les maîtriser en fait. Ouais, j'ai perdu la moitié de la vie de mon héros, mais c'est pas ouais. Bon. Bah, après vous voyez ici il y a des murs et de mémoire faut dégommer ces deux tours là. C'est plutôt, moi je trouve c'est plus facile de passer par là-haut. Par contre ne laissez pas vos troupes attaquer ici parce que sinon. Que je craignais. Ah, j'ai pas perdu trop d'unités, ce qui était tellement. Ouais, parfois vous pouvez tuer un nombre d'unités sans vous en rendre compte, ultra impressionnant, et parfois vous avez rien tué du tout. Ah, je comprends mieux pourquoi ils attaquaient pas. Ah. Oh, ils sont à Alaric à tous les coups. Voilà. Par contre, évitez de trop sacrifier de troupes, il nous en faudra encore un petit paquet pour la suite. Et le moine va mettre en groupe 5. Avec mes troupes ce soir.
Voilà pourquoi vous pouvez pas. Après, il y a la technique, vous mettez. Vous mettez le. Mince, j'ai mis en groupe 4. Eux sont en groupe 4, donc. Bon, après, il y a une autre technique. Bon, c'est un peu de la triche, mais il faut dégommer les deux tours là en fait. Avec du temps, vous pouvez le faire. Vous pouvez les unités héroïques notamment. Pour l'instant, je sais. En gros, c'est simple, vous attaquez et vu que vous pouvez changer la diplomatie, vous mettez un moment l'Italie là en neutre, vous dégommez la porte là, et vous dégommez les deux tours là, il y a quelques troupes autour, vous les tuez aussi. Vous mettez la porte en neutre, vous dégommez la porte et vous rentrez directement dans le camp. Mais vous serez obligé de faire un bifurquer par là-haut. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Je vais pas m'avancer sur un truc dont les deux solutions sont équivalentes. Je trouve que passer par l'eau est plus facile. Et surtout plus rapide. Ah oui, donc on va avoir quelques troupes. Non, il n'y en a plus. C'est aussi. Voilà. Il faut ces unités là. Je mets les unités les plus efficaces en fait là de ce reste. Ouais, normalement je peux soigner suffisamment de Tarkan pour pas qu'il meure. Et une mémoire, après en longeant à côte, je peux directement arriver sur le deuxième. A savoir qu'il y a une garnison vers le deuxième village. Enfin vers le dernier port. Oh punaise. Comment j'y accède déjà? Ah, faut pas que je refasse comme tout le tour. Oh punaise. Bon. Est-ce que cette fois je peux y accéder au port? On dirait bien. Je crois qu'il y a quelques légionnaires. Ouais, voilà, il y a des légionnaires. Et là, par exemple sur un Total War, là, par exemple j'aurais écrabouillé l'armée adverse avec une charge sur le front. Ah. Et ben mon armée n'a pas trop subi étonnamment.
pas trop subi pour une fois mon armée. Alors à savoir que j'avais prévu de faire une autre série en parallèle, je parlais de Totawa. J'attends un mode avec impatience et malheureusement le mode n'est toujours pas finalisé dans ce que j'attendais. Pour ceux qui sont au courant sur Medieval Totawa, sur Attica Totawa, ils sont en train de préparer un énorme mode médiéval. Et j'attends qu'il soit finalisé et que les campagnes soient disponibles. Le mode est déjà disponible pour jouer avec certaines factions, mais ils n'ont pas encore sorti le mode pour la campagne qui est encore en cours de développement. Voilà. Comment on y va déjà ce qu'on va? Ah oui, on va refaire tout de nuit. Du coup, il n'y a pas de route pour descendre. On va faire tout le tour comme d'hab. Et voilà, on fait encore un demi-tour pour rejoindre ce camp. C'est ce qui est chiant dans cette mission. Cette mission, ce que je déteste de cette mission, je déteste. Les campagnes sont très agréables, je vais pas vous mentir. J'ai bien aimé faire toutes les campagnes, chacune avec leurs particularités. Certaines assez dures, excusez-moi, j'arrive pas à dire un mot. Mais bon, voilà, toutes les campagnes sont intéressantes, sont agréables. J'ai pris du plaisir moi, à tout ce que j'ai joué. Mais. Voilà, les gondolières. Voilà, préservez vos troupes comme toujours, voilà. On sait exactement ce qui arrive dessus. J'appuie simple. Voilà. De mémoire, il y a encore un objectif à faire dans cette mission en fait. J'ai dû faire 3 ou 4 fois campagne là en fait, c'est pour. Bon, j'essaie de Dracula, faites attention le nombre de fois que j'ai pu à faire. Bienvenue roi Harry, quand nous sommes enfants, nous pouvons couper les voies commerciales de Rome. Leur poste de commerce se trouve au nord de notre position. Voilà. Pas de soucis. Donnez-moi toutes vos troupes et voilà. Alors. Les troupes là vont rejoindre cette armée là. Voilà, génial, je suis en train d'essayer de. Ah, c'est bon, j'ai pu faire, je sais pas pourquoi, j'avais une application qui s'ouvre sur mon bureau. J'ai compris, j'aimerais bien que vous arrêtiez. Dites pas que c'est encore planté. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a planté.
Ça tu. On ne peut pas cliquer là-dessus, là en haut, parce qu'apparemment ça. Alors, on envoie la cavalerie, on dégomme. En gros, ça va passer à l'ennemi. Et normalement, il doit être attaquable. Si c'est pas attaquable, c'est dire que j'aurais recommencé toute la campagne, c'est un bug. Génial, mon infanterie qui fait un demi-tour. Pire mon. Non, c'est bon, les scripts. Non, les scripts, c'est pas grand. C'est mort maintenant, il faut le défendre. Et maintenant c'est défendre, repousser. Alors Rickon va, il fait quand même un petit peu mal hein. Et on voit plein de détachements de troupes qui arrivent. Et on attend. Bah bon, les régiments de centurions, c'est un régiment qui vont faire toujours plus de dégâts. Ah mais trop à distance, ne pouvant plus tirer, ma cavalerie fout en n'importe quoi, juste devant de t'attaquer. Ouais. Faut pas que les troupes de première ligne combattent sans le support des unités de tir, sinon vous allez vous faire massacrer. Voilà. Nous avons repoussé l'attaque des Romains. Voilà. Sans l'approvisionnement, le Sénat sera forcé de céder à nos exigences. D'accord. Non, c'est bon. Alors. Regardons un peu la map. Donc comme vous voyez ici c'est assez facile, il n'y a qu'une tour en plus. Vous pouvez dégommer facilement avec 4 unités A, dégommer la tour, passer par là pour directement traverser ici et être après. Ici voilà, ils ont des troupes énormes à Rome. Après on dit fait comment ils ont représenté Rome. Voilà. Voilà, c'est ainsi que termine la première mission de cette campagne. Nos soldats revinrent en fanfare triomphant. Ils apportaient des charges entières d'or, de bijoux, d'épices rares et d'autres trésors de grande valeur. Mais plus important encore, ils ramenèrent une promesse. Le Sénat romain avait accepté de persuader l'empereur Honorius de nous offrir des terres que nous attendons depuis longtemps. Mais Tuvisa n'était pas heureux, bien des fils n'étaient pas revenus, bien des femmes vinrent durant toute la nuit, priant pour que les maris n'aient été que ralentis. Certains attendirent des jours, chaque matin plus sombre que le précédent. Ils attendirent stoïquement qu'on puisse leur deuil en silence. Donc voilà, c'est ainsi que termine la première mission de la campagne d'Alaric.
Je vous remercie d'avoir regardé ma compagnie cette première vidéo pour cette campagne. Je vous dis à une prochaine fois, ça porte-vous bien. Et à tout le monde.